Normal, Paul. Il n'a pas eu de revue l'année dernière. Je sais. Je disais la dernière revue. Celle sur le bateau. Ouais. Enfin bref. En tout cas, il n'a pas rajeuni les cartes, Claudie. Hein. Avec le retour de Marc, l'arrivée de Lulu et son frangin, ça fait un paquet d'années en plus sur scène. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Mais pour connaître, qu'ils ont de la bouteille. Et en parlant de bouteille, on va quand même pas faillir à notre bonne tradition de machiniste, Paul Louvain. Et moi, j'espère. Eh oui, bien sûr, je rigole. Allez, sans moi des verres de secours. Moi, depuis toi, tu me connais. Toujours sur l'homme. Parfait, merci. Y a rien de mieux pour recharger ses batteries après une soirée comme ça. Il a dit. Santé, hein. Santé. Bon, et sinon, Maxime, t'as rangé où les enrouleurs? Bah, comme d'habitude, sous clé. Ok, mais gaffe-toi. Il paraît qu'il y a pas mal de vols ces temps-ci au Grand Pont. Quoi? Des vols au Grand Pont? Ouais, il paraît que les consoles les prend tous. Oui, c'est normal. Il fonctionne un peu sur courant alternatif, le Jean-Jacques. Et au fait, la commune en plus. Comment ça? Amiguet, il s'est acheté une bagnole électrique. Ouais, il jure que par ça. Il dit que c'est l'avenir. Enfin, pour sa future retraite en juin. Ouais, ok, peut-être. Mais bon, vu comment il conduit, il aurait mieux fait de s'acheter une auto-tamponneuse. Bientôt avec la rigolade, hein. Ça va être l'heure du spectacle, ça va être l'heure du final. Bonne retraite, Jean-Jacques. Ah, c'est là que je vous trouve, les gars. Ah, Claudie, tu es en bourré avec nous, du coup? Bah, ça vous volontiers, pourquoi pas? Pas de soucis, hein? Je vois que vous y prenez goût. Je vous laisse Arlette, là, on cherche le matériel derrière. Mais bon, je voulais quand même vous féliciter, parce que ça fait 6 fois que vous êtes là, il n'y a pas eu un couac. Alors, ça ne prend pas pour ce soir, hein? Quand même, pour déconner, hein? Il reste le final. Allez, merci les gars, et santé.